ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé en fait de choisir des vêtements sur Shein pour vous faire quelques looks spécialement pour la rentrée. J'ai essayé de faire différents styles, notamment un look un peu plus sportwear quand vous aurez sport par exemple dans la semaine, un look du dimanche également. J'ai essayé de faire cette tenue pour vous, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'avais envie un peu de changer le concept en faisant le haul traditionnel, mais vraiment en vous montrant les tenues, en vous montrant les pièces associées pour faire des looks sympas et à moindre coût, parce que comme vous le savez, Shein, ça reste des vêtements attractifs en termes de prix et de très bonne qualité qui s'améliorent de jour en jour. Sur ce, j'ai également aussi changé de caméscope, j'espère que ça se voit ou pas, le mien commençait vraiment à vieillir. C'était le premier G7X que j'avais, je crois dès qu'il est sorti en fait, que tout le monde avait eu, et je n'ai jamais en fait changé, et en fait mon objectif ne se fermait plus, il était même flou et tout, donc j'espère que vous verrez un peu mieux la différence. J'ai pris le G7X Mark 2 il me semble, au lieu du Mark 3, parce que le Mark 3 était encore plus cher, mais j'ai pris l'entre-deux. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous montre mon premier look, mais le look du lundi pour la rentrée. Bon, je sais que la rentrée normalement c'est le mardi, pas le lundi. Premier look, je trouve que pour la rentrée, j'ai mis une petite blouse blanche comme ça. Vraiment trop jolie, que vous retrouvez sur Shein. Vous pouvez la resserrer ici avec un petit élastique en fait tout simple. Et je trouve que pour pas rester juste comme ça, parce qu'en plus le blanc c'est transparent, tout ça quand on va à l'école. Normalement en septembre il est censé quand même faire un petit peu plus frais. Les températures vont baisser normalement ce week-end juste avant la rentrée. Pas d'énorme, mais bon, on passe de 30 à 25, donc c'est toujours ça. Donc j'ai décidé de mettre le petit gilet, parce que quand vous partez de chez vous le matin, en général, il fait plus frais. Puis après, vous pouvez l'enlever durant la journée, donc ça, c'est pas un problème. Mais j'ai trouvé en fait cet intermédiaire trop bien, parce que c'est une petite veste mi-saison, puisqu'elle n'a pas de manches, et j'adore la couleur. C'est un bleu marine, un petit peu plus long que la blouse, que la petite robe. Et du coup je trouvais que c'était plutôt sympa. Il est un petit peu plus long derrière. J'ai opté juste pour des petites baskets blanches là comme ça. Bon, il y a un peu de rouge derrière. Le mieux c'est vraiment des petites baskets blanches toutes simples. Ouais, je voulais les Nike Air Force One, il me semble, les Shadows, toutes simples en blanche. Elles sont introuvables. Alors dites-moi si je peux les trouver quelque part, ça m'intéresserait, parce qu'au moins ce style de basket ça va avec tout. Après pareil, là vous avez des petits boutons sur les manches de la blouse, donc vous pouvez toujours les retrousser si vous avez chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que premier look c'est sympa. En plus le blanc, on est bronzé, on revient de vacances, donc ça ressort bien le bronzage. Même au niveau des jambes et tout, enfin j'adore. Bien entendu, tous les liens seront en barre d'infos. J'ai également un code promo Shein. La livraison est de plus en plus rapide avec Shein. Alors avant c'était un transporteur, il me semble, différent. En ce moment c'est la poste qui me livre les colis Shein, et en une semaine je reçois mes articles, ma commande, donc c'est assez incroyable. Écoutez, donc ça c'était le look du lundi, on va dire du premier jour de la rentrée, même si on sait que c'est mardi. Bref, on s'en fout, ça sera le look du lundi. Et on passe à la tenue du mardi. Alors on passe sur le deuxième look du mardi. Tout d'abord j'adore littéralement le pull. Le pull est magnifique, blanc, avec juste la petite transparence au niveau des bras et des petites fleurs. Et j'avais envie en fait d'une pièce très classique en haut pour associer cette jupe un peu plissée qu'on a l'habitude de voir des fois dans les écoles et tout. Enfin je la trouve trop jolie, ceci dit elle est toute légère, elle est trop belle. Vous mettez, même s'il fait un peu plus frais après, avec des collants et des bottines, c'est magnifique. J'ai opté toujours avec les baskets blanches parce que ça fait un côté plus décontracté. La jupe est super belle plissée, vous avez des petits boutons ici dorés, je trouve qu'ils apportent le petit truc en plus de la jupe. Je vous invite à me dire en commentaire quelle est votre tenue préférée de la semaine. On passe au look numéro 3 du mercredi. Le look du mercredi, ne serait-ce pas le look du sport? En général c'est le mercredi qu'on fait le sport, que ce soit la danse, le foot, le rugby, bref. C'est le jour du sport, donc j'ai décidé de choisir une tenue hyper décontractée et j'adore cette tenue. Short et jusqu'à non, j'ai envie de le prendre du coup en plusieurs couleurs, parce que le gris est vraiment beau. Je crois qu'il existe également en noir, mais il est stylé parce qu'il est hyper large, il est pas trop près du corps. Il est parfait un peu boyfriend avec les poches sur le côté, tout loose. Ces petites vestes crop top parce qu'il fait encore bon en septembre, et il est trop beau avec la capuche comme ça. J'adore, si vous avez un peu froid le matin, c'est génial. Vous pouvez l'ouvrir après si vous avez chaud, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est une veste crop top toute simple à capuche. Et en dessous, pareil, le petit crop top blanc, débardeur comme ça, qui vient si du Shein. Après, vous pouvez mettre la petite veste comme ça, l'accrocher comme ça. Voilà. Ça fait toujours son petit effet, hein, les vestes comme ça, les survêtes. J'ai plutôt bien choisi, ça met plutôt bien en valeur mes formes, parce que moi j'ai quand même des formes, hein, malgré tout ce que vous pouvez dire. En plus, j'ai pris 5 kilos avec le confinement et l'arrêt du boulot, donc ça se voit, hein, je me sens là et tout, là, faut que je m'y remette à fond. Écoutez, si vous êtes curieux et curieuse, on passe à la tenue numéro 4 du jeudi. Alors pour la tenue du jeudi, quelque chose de assez simple, un petit sweat, mais pour pas avoir le sweat classique que tout le monde a, un petit peu dénudé au niveau des épaules avec un nœud sur les épaules. Je trouve que ça apporte sa petite touche
sa petite touche en plus, donc vous pouvez resserrer un peu plus ou pas en fonction du nœud. Il est loose, il est simple, il est sympa, il existait pareil en plusieurs couleurs, mais il est trop beau. Et il a les manches un petit peu volantes comme ça. Et pour aller avec quelque chose de ultra simple, c'est un jean mom tout simple, voilà, on est bien dedans. J'aime bien le rentrer un petit peu à l'intérieur parce qu'après l'extérieur, c'est pas très beau sinon. Mais voilà, j'aime bien ce petit rendu de cette petite tenue. On passe à la tenue du vendredi, numéro 5. Look du vendredi, un peu décontracté, c'est bientôt le week-end, voilà, tant on finit à midi, il y a des jours comme ça, ou à 2h, donc après on est tranquille, on peut aller faire au pire un petit tour en ville avec ses copains, ses copines. Voilà, donc petit gilet ultra sympa, c'est une genre d'un petit manteau gilet, mais je dirais plutôt un gilet parce que c'est quand même assez léger comparé à un manteau. J'adore la texture de la veste un peu avec des rayures, je sais pas si vous voyez, les boutons et tout, c'est un peu vintage. Pareil, elle existait du coup en plusieurs couleurs et ce petit débardeur qui est juste canonissime. J'aime trop du coup la matière, c'est un petit peu plus chaud du coup, un peu à poil vous savez, mais ça gratte pas du tout, c'est pilou pilou, voilà, ça que je cherchais. Le tout associé à un jean, donc, et du coup j'aime cette petite tenue ultra simple, un petit peu mieux, j'adore la couleur en tout cas du jean. Bon, moi j'aime bien ce genre de jean stretch, pareil à mettre avec des petites baskets blanches, ça passe. Bon, même celle-ci, franchement, je trouve que là ça passe avec la tenue, ça choque pas du tout. Je valide cette tenue également, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le combo genre de fin de semaine. Bon, on se prend pas la tête, demain on est en week-end, on va aller faire une petite virée shopping avec les copines cet après-midi. Quand on a fini l'école, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Et on va passer aux deux petites tenues que je vous ai réservées pour le week-end. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus, donc c'est parti pour la tenue du samedi. Tenue du samedi, littéralement fan de cette petite robe passe-partout qui fait classe et en même temps vous êtes tellement bien dans ce genre de robe. Elle a des petits volants au niveau des poignets mais juste ce qu'il faut, c'est pas trop grand ni rien et ça gêne pas mais quand on mange ou autre. Là pour le samedi vous allez chez votre meilleure amie, vous êtes invité à un anniversaire, vous allez toujours faire du shopping avec vos copines, vos parents. J'ai pas mis de veste, ni de perfecto, ni de gilet, ni autre, vous pouvez bien sûr l'accessoiriser avec. Parce que je reste dans le principe que là, eh ben, il fait quand même encore bon. Et qu'elle est à manches longues. C'est-à-dire que par exemple, le sweat à manches longues, j'avais pas mis de veste non plus. J'ai mis juste le petit gilet quand j'avais le petit débardeur dessus. Parce qu'il fait littéralement chaud encore. C'est des petites fleurs violettes comme ça. Je trouve que ça ressort super bien en fait sur le noir. Avec le vert et tout. Le vert est très discret. Donc du coup, c'est trop beau. Donc voilà la petite tenue en question. Et la particularité qui change tout, c'est les petites bottines de Shein aussi. Mais ouais, ce genre de petite robe avec des bottines, même en hiver, ça passe. Ben là, ça passe même pour cette. Sans collant, mais après vous pouvez mettre des collants en hiver et tout avec les petites bottines, c'est juste canon, c'est trop beau. Là, les petites chaussures, là, les petites bottines en question qui sont trop belles avec les trois petites lanières comme ça, là c'est trop joli. Noir, pas de gros talons, c'est sûr qu'elles vont en plaire à plus d'une et j'ai pris ma taille habituelle. Donc n'oubliez pas de noter en commentaire celle que vous préférez, mais ce n'est pas tout puisque je vous ai réservé une tenue du dimanche. Je pense que vous allez être totalement d'accord avec mon choix. Vous êtes prêts? Le look cocooning du dimanche pour faire vos devoirs et pas que roupiller toute la matinée. Ouais, Shein, ils ont fait des petits ensembles pyjama comme ça, sympa trio. Donc c'est à dire que vous avez la brassière. En plus là c'est bien parce qu'ils ont fait l'élastique plus serré ici que là. Donc du coup bah au moins ça tient et ça évite que ça tombe. Le petit gilet que vous pouvez même reporter honnêtement dehors, il n'y a aucun problème. Et le petit shorty à peu près du corps hein, mais c'est pour rester à la maison donc on s'en fout. Puis vous avez le gilet par dessus. J'ai trouvé cette tenue mais juste idéale pour le dimanche. Voilà, pour rester à la maison en général c'est ce qu'on fait. À part quand il fait beau vous pouvez toujours aller balader avec votre famille ou autre. Mais en général c'est vrai que le dimanche on va manger chez la famille ou on reste chez soi. Et quand on reste chez soi on aime être confortable. Même quand vous rentrez le soir de l'école vous pouvez toujours enfiler cet ensemble après la douche et vous êtes calé. Je pense aux soirées d'hiver cocooning, ça on est trop bien dedans. Donc voilà, j'ai adoré la couleur en plus camel. Et en plus vous avez les grosses mailles. Donc ça je valide sur l'ensemble des trois pièces. J'espère que ces 7 looks Shein spéciales rentrées vous auront plu. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous. N'hésitez pas à liker en commentaire. Je vous mettrai look 1, look 2, look 3, look 4, look 5, look 6, look 7. Mais je pense que le look 7, je vais peut-être pas le compter parce qu'on va pas aller à la rentrée à l'école comme ça. Mais vous likerez en gros le look que vous préférez que je porte pour la rentrée scolaire. Si évidemment je devais rentrer à l'école bien entendu. Mais du coup j'ai envie du coup de vous poster le look moi j'aurais choisi le jour de votre rentrée à vous. Donc en général je crois que c'est le premier, enfin c'est mardi il me semble. Donc je vous posterai mon look que moi j'ai préféré. Et du coup on verra en commentaire si on a eu les mêmes goûts. J'ai hâte de voir en tout cas vos avis. N'oubliez pas de liker votre look préféré, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait à ma chaîne. C'est ultra important. Je sais qu'il y en a plein qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne mais qui regardent quand même mes vidéos. Donc ça fait toujours plaisir quand on voit que vous abonnez à nous. Ça veut dire que vous aimez ce qu'on fait. Évidemment activez la cloche si ce n'est toujours pas fait, c'est ultra important hein. Vous recevez dès que je mets une vidéo en ligne, vous la recevez directement. Likez cette vidéo et en tout cas je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et bon courage pour la rentrée. Gros bisous à tous, bye bye.